2 Chroniques, chapitre 17. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nétanéel et Miché d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites Shemaéja, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija Lévite, et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7 700 béliers et 7 700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement. Selon les maisons de leur père, de Juda, chef de milliers, Adna, le chef, avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jokana, le chef, avec 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda.